Bonjour, monsieur. Bonjour. Police nationale, vous êtes au courant que les personnes âgées n'ont pas le droit de circuler dans le centre-ville entre 10h et 13h? Non. Ça dérange les jeunes? Tout le monde a le droit de circuler tous les jours, il n'y a pas de raison. Oui, mais si physiquement vous dérangez les jeunes? Comment physiquement je dérangerais les jeunes? Et quand physiquement les jeunes ils me dérangent, que j'ai le droit de dire quoi? Les jeunes ne veulent plus de vous? Non, je ne m'occupe pas de savoir s'ils veulent plus de moi. Pour l'instant, moi, c'est moi qui suis en ville, un point et c'est tout. Je vois bien beaucoup de jeunes qui dérangent les personnes âgées. Je crois que c'est davantage que le contraire, hein, attention. Hein. Vous avez fait peur à quelqu'un ce matin? À qui? À un enfant. Il s'est plaint de vous. Et avec quoi je lui ai fait peur? Avec votre tête. Avec ma tête? Ben oui, madame. Je dis pas que vous l'avez fait exprès. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Ben, elle fait un peu peur aux jeunes. Et pour quelle raison? Parce que ça ennuie les jeunes et qu'il faut laisser la place aux jeunes. Mais non, on a le droit de circuler, non? Ben, regardez, c'est oui, pas agréable pour les jeunes. On est trop vieux maintenant, ben, vous n'avez plus qu'à nous tuer, alors. Mais madame, si vous faites... C'est aux jeunes que vous faites peur. Vous me faites chier! Et bon. Et vous faites chier les jeunes, madame? Oui, ben peut-être. Mais moi aussi. Et puis, ouais, non, mais... Moi, je peux pas vous laisser circuler avec une tête pareille. Non, mais dites donc, monsieur, vous pourriez être poli, hein. Je suis poli, mais si vous faites peur aux jeunes. Non, mais ça va pas. Alors là, la police, elle est vraiment en dessous de tout, hein, je peux vous dire, hein, monsieur. Là, c'est inadmissible. Et puis, que moi, on m'arrête parce que je suis dans la rue, mais ça va pas la tête. Si hein. Vous ferez mieux de courir après les voleurs, hein. Plusieurs personnes âgées déjà sont au commissariat. Ah bon? On arrête tous les vieux. Ah bon, tous les vieux? C'est parce qu'est-ce qu'on a fait de mal, nous, les vieux? On a travaillé toute notre vie? Si vous dérangez les jeunes. Je dérange les jeunes de quoi? Vous me respectez, si vous voulez. Mais je vous respecte. Non. Alors ça s'appelle du harcèlement, ça. Non, mais moi, je fais mon métier, monsieur. J'ai des ordres. Vous faites pas votre métier, là. Vous déconnez, là. Vous faites quoi? On vous a demandé de nettoyer le centre-ville, voilà. Oui, venez me nettoyer, moi, vous allez voir. Vous allez voir lequel va nettoyer l'autre. Ça dérange les jeunes. Méfie-toi que je te dérange pas. Quoi. On veut qu'il y ait moins de personnes âgées dans le centre-ville. Attendez, non, quand même. Où est-ce qu'on va? Dans quel monde on vit? On veut plus de seniors. Mais attendez, les seniors, ils ont le droit de vivre, monsieur. Ça vous met mal à l'aise de voir un vieillard? Mais pas du tout. Attendez, j'aime ce monsieur. Je trouve ça pas normal qu'on mette à la poubelle les personnes âgées, non? C'est physiquement, vous leur faites peur. Oh, c'est pas agréable. Vous vous faites peur? Moi, je vous fais peur, bon Dieu. Bah, oui. Un petit peu, quand même. Bah alors, c'est quand même malheureux d'entendre ça. Ça met mal à l'aise, les jeunes. Oui, ça met mal à l'aise. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des jeunes?